Bonjour, je vais vous présenter l'activité montage. Elle se décline en deux niveaux. Le niveau 1 permet aux élèves de s'initier au montage en ordonnant les photogrammes qui leur sont proposés par le jeu. Au niveau 2, ils sont invités à inventer leur propre histoire. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer de faire le niveau 1 de cette activité. Il est important d'expliquer les notions de montage et de photogrammes pour la bonne compréhension de l'activité. On peut retrouver les définitions à la fin du livret de l'enseignant. L'objectif de cette activité est d'initier les élèves au principe du montage. Ils sont invités à lire les images et à savoir en choisir l'ordre. Nous vous conseillons de répartir les élèves par groupe de 5 à 7 et de prévoir 15 minutes pour le bon déroulement de l'activité. Vous aurez besoin de la carte aide, de la carte objectif et des 20 photogrammes qui permettront aux élèves de faire le montage. Après avoir expliqué la consigne telle qu'écrite sur la carte objectif 1, chaque équipe doit classer les cartes montage dans le même ordre que l'histoire décrite sur cette carte. Les élèves sont donc invités à disposer sur la table qui forme leur îlot les 20 photogrammes support de l'activité. Ils vont dans un premier temps devoir enlever les 8 photogrammes intrus de la séquence. En effet, 8 cartes n'ont pas de rapport avec l'histoire racontée. La séquence se passe dans le jardin de la nourrice. Les photogrammes qui montrent la princesse dans un palais sont donc des photogrammes intrus. Il y a également des photogrammes où l'action se passe dans la rue. Il faut également les enlever. Ainsi, peu à peu, les élèves trouvent les 8 photogrammes intrus. Une fois les 8 photogrammes intrus retirés, les élèves vont peu à peu agencer les photogrammes pour que l'enchaînement montre ce qui est raconté. Maintenant, on passe au montage. Une fois les cartes intrus retirées, il s'agit de placer les cartes dans le bon ordre du récit, comme un monteur qui doit identifier les bons plans du film et les remettre dans le bon ordre. La nourrice conduit Azur dans le magnifique jardin de sa maison, où un repas lui est servi par une dizaine de domestiques. Une fois les domestiques repartis, la nourrice sert Azur et verse le thé dans une coupe en argent. Il demande où est Asmar et son hôtesse lui apprend qu'il se prépare à aller délivrer la fée des djinns. Azur se propose de l'accompagner, mais l'arrivée d'Asmar va jeter un froid. Il s'étonne de la présence d'un étranger et refuse de saluer son frère de lait. Sa mère le réprimande, il se répand en insultes contre Azur et contre son pays d'origine. Une dispute éclate et Asmar finit par repartir. À la fin de l'activité, chaque équipe explique ses choix oralement au reste de la classe en les comparant à la carte aide. N'hésitez pas à questionner les élèves sur leur choix de montage, par exemple en leur demandant pourquoi ils ont mis cette image à cet endroit du récit. Le niveau 2 permet ensuite aux élèves de créer leur propre histoire à partir des 8 cartes intrus. Je vous invite à consulter le livret de l'enseignant. Il vous donnera des précisions et vous indiquera les compétences travaillées pour chaque niveau de l'activité. À vous de jouer !